بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. À Allah, subhanahu wa nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration sauf Allah. Subhanahu wa l'unique qui n'a point d'associé et que le prophète Muhammad alayhi, wasalam, est wa son serviteur et son messager que la bénédiction de Allah wa soit sur lui sa famille ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour bien entendu de la résurrection chers frères et sœurs en islam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. nous allons vous parler aujourd'hui d'un thème de société très intéressant, je veux dire la rivalité féminine. La rivalité féminine, ou la rivalité entre femmes, comme vous voulez, est un phénomène de société qui existe depuis la nuit des temps. Et ceci, partout à travers le monde, dans toutes les sociétés, et dans tous les milieux. Là où il y a des femmes, il y a forcément la rivalité. On dit souvent que rassemblement de femmes est synonyme de nid de vipère. Autrement dit que rassemblement de femmes est synonyme de conflit, de tension, de querelles, de malentendus, de déceptions, de trahisons, de commérages, de calomnies, de médisances et j'en passe. Une rivalité qui souvent aboutit à des sentiments de haine, de jalousie et de méchanceté. On a tendance à entendre parler de la violence faite aux femmes par des hommes. Autrement dit, qu'une femme a été sauvagement agressée, violée, violentée, ou parfois même tuée par un homme. C'est cela qu'on a l'habitude d'entendre. Alors qu'à côté, il y a une violence silencieuse, nuisible, une violence, si vous voulez, qui tue à petit feu. C'est la violence faite aux femmes. Par des femmes qui est une violence pire que celle que subissent les femmes de la part des hommes une violence que l'on a tendance à négliger et à minimiser une violence nuisible qui affecte aujourd'hui beaucoup de femmes aujourd'hui il faut le dire beaucoup de femmes souffrent énormément à cause de violences faites par leurs semblables. La rivalité féminine s'infiltre partout, dans toutes les relations féminines, entre des copines, entre des collègues de travail, entre des coépouses, entre des sœurs, entre belles-filles et belles-mères, et parfois même entre mère et fille. Bref, nous pouvons dire que les amitiés ou les relations entre femmes ne sont pratiquement jamais sincères. C'est des relations qui ne sont jamais basées sur la confiance et la sincérité. Chacune cherche à déstabiliser l'autre, à la destituer et à la mettre hors d'état de nuire afin qu'elle ne soit plus respectée, n'est-ce pas, dans la société? Si une femme se trouve dans des salles draps ou dans des situations difficiles, disons, la plupart du temps, c'est une proche amie. Ou une proche collègue, ou une coépouse qui est à l'origine de cela. Voyez ce sentiment de haine et de jalousie que l'on note entre des copines. Voyez ce sentiment de haine et de jalousie que l'on note entre des coépouses. Parfois même à l'endroit d'une coépouse innocente que tu n'as jamais connue. Ni vu. Voyez également des co-épouses qui pourtant se fréquentent tout le temps, qui partagent pratiquement tout. Mais malgré cela, il y a des combats qui se fomentent de part et d'autre. Des co-épouses qui s'entre-déchirent et s'entre-dévorent par les biais du maraboutage. Par le biais de la calomnie et de la médisance, pour dire que les relations entre femmes finissent souvent par des déceptions et des trahisons, parce qu'il n'y a pas véritablement de sincérité. Chacune cherche à nuire son prochain, à la sous-estimer et à la dominer, n'est-ce pas, sur tous les plans chers frères et sœurs en islam, c'est par la trahison, le commérage, le mensonge, la diffamation, la concurrence que les femmes usent pour se faire du tort entre elles. Des études qui ont fini de briser beaucoup de relations entre femmes. Tu te confies à une amie intime ou à une collègue intime. Tu lui racontes toute ta vie privée. Un beau jour, elle se fâche contre toi, te tourne le dos et n'hésite pas à publier cela dans les réseaux sociaux, brisant d'un coup ta vie. Combien de femmes ont été victimes de pareilles trahisons Combien de femmes ont été déçues et trahies par leurs propres copines ou par leurs propres collègues, chers frères en islam. Toute personne qui trahit est considérée par l'islam comme un hypocrite. Et les hypocrites, comme l'a affirmé Allah subhanahu wa ta'ala, seront logés au plus bas fond de l'enfer. « fi nar »« Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hypocrites seront logés au plus bas fond de l'enfer. Et le prophète Muhammad alayhi wa sallam, nous dit que les signes distinctifs d'un hypocrite sont au nombre de trois. Ayatul Munafir et Iza hadatha kazzaba wa akhlaf wa tumina Nous dit que l'hypocrite quand il parle, il ne dit jamais la vérité. Quand on lui fait confiance, il n'hésite pas à trahir et à décevoir. Et quand on lui confie un dépôt, il ne se montre point loyal. Parfois, c'est absurde. Comment une femme belle, riche, intelligente, qui a toutes les compétences requises du monde, peut éprouver un sentiment de haine, de méchanceté et de jalousie à l'endroit d'une femme banale qui n'a pas les atouts qu'elle a. La principale ennemie, disons, de la femme, c'est la femme. Elle ne veut jamais voir sa copine, sa collègue ou sa coépouse heureuse ou être dans une situation confortable. Elle a du mal à supporter cela. C'est la nature féminine qui est ainsi faite. La femme, elle est naturellement jalouse. C'est pourquoi on dit que le mot jalousie est un mot féminin. La jalousie appartient aux femmes. Elle est naturellement féminine. Si tu as une promotion, elle t'envie. Si tu as une belle voiture, elle t'envie, elle s'énerve contre toi. Si tu lui déclares que tu es marié, elle t'envie et éprouve automatiquement un sentiment de haine et de jalousie à ton endroit. Si tu lui déclares que je suis divorcé, là, elle te console. Et au fond d'elle-même, elle est contente et souriante. Si tu portes un joli boubou, elle se fâche contre toi. Et pourtant, elle déclare partout et haut et fort qu'elle est une amie ou une collègue intime à toi. La jalousie féminine peut même interférer dans les ménages. Combien de mariages, chers frères et sœurs en islam, ont été brisés par une copine ou une collègue intime en te jouant un sale coup pour encore récupérer ton mari? Pour dire que la femme n'a pas de sentiment envers son semblable. Même dans le milieu professionnel, cette jalousie féminine est beaucoup plus manifeste, beaucoup plus visible. Si tu es compétente, tes collègues femmes ne vont jamais te supporter. Elles t'en veulent, elles te détestent et feront tout pour te combattre ou te mettre en mal avec le patron. Même dans un entretien pour un travail. Si en tant que femme, tu tombes sur une femme, tu risques d'être écarté. Surtout quand elle sait que tu es beaucoup plus compétente qu'elle, que tu es beaucoup plus présentable qu'elle. Là, tu n'auras pas de chance du tout. Parfois même, une patronne éprouve de la jalousie. Envers son employé femme. De par ses tenues vestimentaires, elle s'habille mieux qu'elle, elle, elle s'exprime mieux qu'elle, ou tout simplement, elle est plus compétente qu'elle. Quand tu es compétent, tu as beaucoup d'ennemis. Beaucoup de femmes, il faut le dire, ont été renvoyés de leur lieu de travail sans motif. Parce que tout simplement, la patronne éprouve un sentiment de haine et de jalousie envers elle. Et tout cela n'est que de la méchanceté. Et sachez, chers frères et sœurs en islam, que la méchanceté ne fait qu'effacer vos bonnes actions. Le prophète Mohammed nous dit, je vous mets en garde contre la méchanceté, car c'est une attitude qui ne fait qu'arracher vos bonnes actions, comme le feu arrache le morceau de bois. Pour juste vous dire que la méchanceté est une, attitude, est une attitude qui est aux antipodes des principes ou même des valeurs, n'est-ce pas, islamiques? Chers frères en islam, les relations entre femmes ne perdurent pas à cause des rivalités et des combats. Voyez ce qui se passe dans les mouvements féminins. Dans les associations féminines et surtout encore dans les groupes WhatsApp, ça finit souvent par des déceptions, par des trahisons et par des règlements de compte malheureusement. Tu as une dent contre la personne, tu te venges sur elle par la publication d'une de vos conversations privées dans les réseaux sociaux. Rien que pour la destituer. Ou la dégrader, ou la faire même du mal, pour te détruire, ou te mettre hors d'état de nuire. La femme est prête à nouer une relation d'amitié avec toi, comme disait l'autre. Sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Voyez les relations entre épouses, voyez les relations entre belle-fille et belle-mère. La plupart du temps, ou la plupart des belles-mères, il faut le dire, n'aiment pas leur belle-fille. Elles éprouvent un sentiment de haine et de méchanceté extrême à son endroit. Les belles-mères ont du mal à supporter leurs belles-filles. Le bien qu'elles souhaitent à leurs propres filles, elles ne la souhaitent guère à leurs belles-filles. Cette dernière est considérée comme un esclave dans la maison, piétinée, malmenée et traitée de tous les noms d'oiseaux. Tout le souhait et les voeux de la belle-mère est que son fils se sépare, n'est-ce pas, de son épouse et quitte la maison. Pour juste dire que la relation entre femmes n'est jamais une relation sincère. Les femmes n'acceptent pas dans leur entourage, il faut le dire, la présence d'autres femmes belles, courageuses, plus compétentes qu'elles. Bref, des femmes qui les dominent. Pour la femme, cela constitue une menace. L'exemple que je vais vous donner... et le suivant Si la femme de ménage qui est chez vous cuisine mieux que votre épouse cette dernière ne va jamais la supporter De la même manière si elle s'habille mieux qu'elle elle fera tout pour se séparer d'elle et la renvoyer de la maison tout simplement de peur, n'est-ce pas, que son époux s'intéresse à elle un jour. La rivalité féminine, il faut le dire, est partout visible, même entre des sœurs. Vous voyez des sœurs qui s'entredéchirent, qui sont en conflit permanent, qui ne se communique pratiquement pas. Chacune éprouve un sentiment de haine et de méchanceté, de méfiance. Chacun éprouve un sentiment de haine, de méchanceté, de haine, de jalousie à l'endroit de l'autre. Et pire encore, personne D'entre elles ne souhaitent le bien pour son semblable. Surtout quand tu es victime, n'est-ce pas, d'un divorce. Là, tu ne seras pas la bienvenue dans la maison familiale. Tu es traité de tous les noms d'oiseaux. Ce qui est tout à fait injuste. Et c'est de pareilles attitude. Qui pousse aujourd'hui certaines femmes ou certaines jeunes filles à aller vivre seules, à aller louer un appartement après le divorce. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Si c'est tes propres sœurs qui te combattent, qui te mènent la vie difficile, où va le monde Dans quel monde sommes-nous donc chères dames, tolérez-vous car vous êtes les fondements, n'est-ce pas, d'une société. C'est la femme qui enfante, qui allait, qui éduque et qui gère pratiquement le foyer. Par conséquent, vous devez être à la hauteur et avoir un sentiment de pitié, de respect et d'estime envers vos semblables. Soyez sincères en matière d'amitié. La rivalité ne vous mène nulle part, surtout si elle est basée que sur des aspects, n'est-ce pas, de ce bas monde. Évitez la médisance car il vous mène droit en enfer. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, nous le confirme, « La namam »« N'entrera jamais au paradis celle qui passe son temps à médire aux gens. » Allah subhanahu wa ta'ala est formel. « Ya yuhallazina amanu. اجتنبوا كثيرا من الظن كإن بعد ذن إثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعدكم بعدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله سبحانه وتعالى ندي أو لي Évitez de trop conjecturer sur autrui. Car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair? N'est-ce pas de son frère mort ou de sa sœur morte? La réponse est non. Donc vous en aurez horreur. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car il est grand, accueillant, n'est-ce pas, au repenti. Chers frères et sœurs en islam, méditez profondément sur ce verset. Donc, chères dames, évitez les mauvaises paroles, même si elles ne comportent que la vérité. Car comme on le dit, une mauvaise parole, même si elle ne comporte que la vérité, a le pouvoir de changer l'eau de la mer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent de stress et de maladies, issues tout simplement d'une déception ou d'une trahison venant tout simplement d'une proche amie ou d'une proche collègue. Pour vous dire, chers frères et sœurs en islam, que les relations féminines ou les relations entre femmes ne sont jamais sincères et ne sont jamais pratiquement basées sur la confiance. Je le répète, là où il y a des femmes, il y a forcément la rivalité.

c'est ce le reflet du Fouta dans toute sa splendeur.